Le polymorphisme et la liaison dynamique vous garantissent que ça sera la bonne méthode qui sera appelée. Donc l'idée, c'est que vous définissez les bonnes méthodes dans les bonnes classes, et en fonction de ce qu'il va y avoir à un moment donné dans une référence, ça sera la bonne méthode qui sera appelée. Donc par exemple, si on déclare une variable f comme étant une forme géométrique, et puis on a un cercle et un carré, eh bien dans notre programme, à un moment donné, on va pouvoir ranger un cercle dans f, puis un peu plus loin, ranger un carré dans f. Lorsque je fais f.imprimer ou f.calculer surface, ben l'idée de la liaison dynamique, c'est que je dois appeler la bonne méthode en fonction de ce qu'il y a à cet instant présent dans f. Et pourquoi on dit que c'est dynamique? Ben parce qu'on ne peut pas le savoir au moment de la compilation. Pourquoi? Parce que je peux très bien séparer ces deux instructions par demander l'entrée à l'utilisateur. S'il répond oui, je lui mets un carré, et s'il répond non, je lui mets un cercle. Et ensuite, je fais f.imprimer ou f.calculer surface, et là, évidemment, ce qu'il y a dans F, je ne peux pas le savoir à l'avance, avant que le programme s'exécute. Et donc, il faut un mécanisme qui permet de choisir la bonne méthode dans la bonne classe en fonction de ce qu'il y a à cet instant présent, à cet instant, à ce point de l'exécution dans F. Et on appelle ça la liaison dynamique. Et fondamentalement, l'idée qu'il faut en retenir, c'est que pour vous, c'est simple, c'est que l'appel de l'opération, c'est ce que vous attendez. D'accord? Et c'est le compilateur ou l'interpréteur qui se débrouille pour trouver la bonne manière de faire. Et ça vous permet quelque chose d'extrêmement efficace. Ça vous permet d'avoir un espace de nommage réduit et uniforme. Quand vous allez appeler imprimer sur des formes géométriques ou calculer surface, ben, vous n'avez pas besoin d'inventer un nom pour chaque cas particulier. À chaque fois, vous l'appelez de la bonne manière. Et ça sera le compilateur qui se débrouillera pour générer le code qui fera que ça sera la bonne version qui sera appelée. Donc à quoi ça sert? Ben, ça va servir à faire du polymorphisme. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une table, comme on a ici, là, qui contient des formes géométriques. D'accord? Et par exemple, dans le premier, il y aura un carré, dans le deuxième, il y aura un cercle, etc. Et ça va vous permettre d'écrire du code générique qui est, par exemple, pour tout i de la table, faire t2i.imprimer. Et là, l'idée, c'est qu'en fonction de ce qu'il y a dans la première case, ben, ça va appeler la bonne méthode imprimée, celle de la classe carré, puis celle de la classe cercle, etc. Un des gros intérêts de cette approche-là, c'est que ça permet assez facilement de rajouter des nouvelles sous-classes. Si, par exemple, vous avez oublié dans un premier temps de vous occuper des triangles, eh bien, c'est pas très grave. Le jour où vous apercevez que vous avez besoin de rajouter la gestion des triangles à votre programme, ben, vous créez une nouvelle sous-classe de la classe forme qui s'appelle la classe triangle. Vous lui mettez toutes les méthodes dont elle a besoin. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de toucher des programmes existants, des programmes clients, puisque par liaison dynamique, ils seront capables d'appeler la nouvelle méthode imprimée que vous aurez codée dans la classe triangle. Et ça va vous permettre de rajouter facilement des nouvelles sous-classes, d'étendre le programme sans changer les programmes clients existants. Et c'est un des gros avantages des approches orientées objet et des approches grâce à des liaisons dynamiques. L'héritage et la classification est en général connectée au système de type. C'est-à-dire qu'on va dire que un triangle est un sous-type de la forme, un carré est un sous-type de la forme, etc. De même que une vache est un sous-type de mammifère, qui est un sous-type de vertébré, qui est un sous-type de animal, etc., etc. Ce qu'on va appeler typage statique dans les langages, c'est le fait de s'assurer à la compilation, c'est-à-dire avant l'exécution, que lorsqu'on écrit x.f, c'est-à-dire qu'on appelle la méthode f sur la référence x qui désigne un objet, eh bien, on va s'assurer que, avant l'exécution, que tout objet qui est potentiellement désigné par x dispose d'une méthode f. Et si ce n'est pas le cas, le compilateur, s'il y a un doute, le compilateur donnera une erreur en disant, attention, à cet endroit, vous appelez f, mais ce n'est pas sûr que dans l'objet x que vous avez déclaré, là, il y ait la méthode f. Et donc, votre programme, je ne peux pas le compiler. La liaison dynamique, c'est l'idée que ça sera la bonne interprétation de f qui est choisie. Quel que soit ce qu'il y a dans x, on prendra la version de f qui est définie dans la classe dont x est l'instance, quelle que soit la manière dont x est déclaré. Et les langages d'objets s'articulent autour de ces deux choix, de ces deux choses-là. Donc, par exemple, dans des langages dits à typage dynamique, comme Python et Smalltalk, le typage est dynamique et les liaisons dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas vous garantir avant l'exécution que votre programme va marcher. Par contre, s'il est correct, ça sera la bonne version qui sera envoyée. Et vous pouvez très bien avoir des erreurs de type à l'exécution. On va dire, bah,
à l'exécution, cette méthode-là que vous essayez d'appeler, elle n'est pas disponible dans l'objet sur lequel vous l'appelez. Dans des langages comme Java et C#, on va s'assurer à l'avance que à chaque fois que vous écrivez x.f, donc dès la compilation, on est certain qu'il existera une méthode f, et la liaison dynamique fera que ça sera la bonne qui sera appelée. En C++, c'est intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire c'est un typage statique en général, mais la liaison est dynamique simplement pour les fonctions qui sont déclarées virtuelles. Pour les autres, c'est une liaison statique. Donc c'est une des subtilités de C++, il faut pouvoir déclarer toutes ces méthodes virtuelles, et par défaut, c'est pas le cas. Et en UML, ben en fait, c'est pas spécifié en UML, puisque derrière, on est censé pouvoir utiliser ces différents langages-là, donc un peu en UML, c'est au choix, et ça englobe l'ensemble de ces comportements-là. Une particularité de la relation d'héritage en UML, c'est que bien sûr, un compte épargne va hériter de l'ensemble des attributs et des méthodes de la superclasse, c'est-à-dire que le compte épargne qui est ici, il a, en plus de ce qu'on déclare à son niveau, bah, ce qu'il a hérité de la superclasse. Mais en UML, on n'hérite pas simplement des attributs et des méthodes, on hérite aussi des associations et éventuellement des invariants et d'autres choses qu'on peut avoir sur les classes. Ce qui fait que lorsqu'on voit ce dessin-là, en fait, le compte épargne, si on le prenait en isolation, si on l'aplatissait en quelque sorte, eh bien on verrait qu'il a l'ensemble de ses attributs et méthodes qu'il a déclarés, taux d'intérêt et calcul d'intérêt, plus les méthodes qu'il a héritées du compte en banque, mais aussi plus les associations et les invariants qui sont présents derrière. Et donc, si on revient sur l'ensemble des concepts de base orientés objet, les concepts vraiment de base qu'il faut comprendre dans la base de la modélisation objet, c'est ces trois choses-là. Au niveau M1, les classes, les associations et l'héritage. Et ce que ça veut dire au niveau M0, c'est-à-dire une classe, eh bien, il y a des instances, ce sont des objets. Une association, ces instances, ce sont des liens. Et l'héritage permet de faire de la classification, c'est-à-dire d'avoir des ensembles et des sous-ensembles. La sous-classe donne lieu à des sous-ensembles. Dans l'autre sens, les objets qu'on modélise au niveau M0, on les généralise, on les classifie dans des classes d'équivalence, ce sont des classes. Les liens sont décrits par des associations, hein, qui sont les classes d'équivalence des liens entre des objets de classes similaires. Et puis lorsqu'on a besoin de modéliser le fait que il y a des ensembles à l'intérieur des sous-ensembles, eh bien on va utiliser l'héritage, la généralisation, pour permettre de modéliser cette chose-là.